je suis aujourd'hui à Fort-de-France, rue Lamartine. Je vais rencontrer Julie dans sa boutique où elle vend des œuvres de jeunes créateurs qui débutent. Alors, je vais vous faire découvrir ce que c'est que de pouvoir avoir une pièce unique dans sa garde-robe et à un prix abordable. Allez, c'est parti. Bonjour Julie. Bonjour Tania. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors Julie, explique-nous quel est le concept de ta boutique. En fait, j'ai monté cette boutique pour les jeunes créateurs parce qu'ils n'ont pas le temps de proposer leur modèle, ils n'ont que le temps de créer. Donc, en gros, c'est ça, et les faire connaître par le biais de défilés, showrooms, salons. D'accord. Et d'où viennent ces créateurs? De la Guadeloupe et de la Martinique. Et bientôt, il y aura des créateurs de Trinidad et Haïti. Waouh, super. Alors, montre-moi un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ton showroom d'intéressant. D'accord. Montre-moi quelques œuvres. Surtout, j'ai reçu une nouvelle collection. Donc, j'ai la robe créole, remodernisée, avec la ceinture sur piqué et une petite ceinture avec un nœud sur le devant. Ouais, ça, j'aime bien parce que ce sont comme des couleurs de la Caraïbe, c'est frais. Oui. En fait, on s'est dit qu'on est aux Antilles, il y a beaucoup de soleil, donc il faut porter des couleurs, surtout la vie est difficile, donc beaucoup de couleurs pour égayer les gens. C'est vrai que dans la Caraïbe, porter des explosions de couleurs, ça nous ressemble bien. Ouais. Donc aussi, j'ai le pantalon. Waouh! Un ensemble pantalon, donc avec une chemise qu'on n'attache pas, qu'on noue juste au niveau du bas. Mm-hmm. Et je précise aussi qu'on ne fait que des pièces uniques. Parce que le but de la boutique, c'est de ne pas retrouver tout le monde avec les mêmes choses. Donc, quand on achète une pièce ici, on est sûr d'être la seule à la porter. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial. Et j'ai une petite robe aussi qui te ressemble. Donc, toujours dans l'esprit traditionnel. Waouh! Elle est courte devant, donc il faut porter la jupe ballon. Et pour donner un peu de couleur, on a choisi une ceinture rouge. C'est très joli. Et les points me rappellent un style un peu vintage. Et j'ai aussi une robe de soirée. Le modèle, donc dans l'esprit indien. Waouh, super joli. C'est du tissu indien, toujours dans l'esprit créole. Avec beaucoup de couleurs et on peut la faire remonter aussi sur les côtés. Et tu as une traîne. Oh super, les traînes ça fait vraiment très habillé. On a l'impression d'être sur un tapis rouge. Ouais, ça fait princesse je trouve. Ouais, elle est très jolie. En plus un peu transparente. Ouais. C'est dans l'air du temps. Donc ça reste sexy. Bon ben je pense qu'on a pas mal de jolies choses. On va passer à l'essayage. Donc vous avez un modèle de Flavie Elio. Un ensemble pantalon fait avec du coton et le bas du coton mélangé avec du polyester. Tu as un modèle de Calypso, toujours l'esprit créole modernisé pour les jeunes avec une jupe boule dans la matière polyester et la robe en coton. Donc vous avez une petite robe créole, toujours en coton avec de la mousseline. Et une petite poche en mousseline. Donc c'est un modèle de Mike Style, Magali Galbert. Donc le haut est fait en soie sauvage et le bas en mousseline, dans l'esprit indien. Merci Julie de nous avoir accueillis dans ta boutique. De rien Tania, j'espère te revoir très bientôt parce que je reçois régulièrement des modèles tous les 15 jours pour renouveler la collection. D'accord, moi c'est sûr que je vais revenir dans la boutique pour voir qu'est-ce que les créateurs ont amené de nouveau à la boutique de Julie. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Allez, bye bye!